j'ai essayé de contacter les grandes enseignes. J'ai pas de retour pour l'instant. Donc ça me permet aussi de vous parler directement et de vous dire, n'hésitez pas, vous avez des invendus, vous avez des jouets qui ont été ouverts, qui finissent à la benne, venez chez moi et puis déposez-les. Venez avec un maximum de jouets, qu'ils soient neufs ou utilisés, c'est vraiment pas important. N'hésitez pas aussi, j'ai beaucoup d'appels de personnes qui veulent venir me donner un coup de main le 24. Ça me touche énormément. J'ai accepté beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai aussi besoin parce que je suis un mec et emballage des cadeaux, c'est une catastrophe. Donc, j'ai besoin aussi de coups de main pour emballer les cadeaux un petit peu avant. Voilà, même dès maintenant, à la limite. Alors, j'ai eu beaucoup de peluches. J'ai eu des jouets neufs, des jouets usagés, mais très beaux jouets. Donc, voilà, ça commence déjà à arriver en masse. J'ai perdu mon père il y a 3 ans. Il était très malade du cœur et une fois à Noël, il a lancé ça. Il a dit, mais quand même, c'est bizarre, on fait Noël, mais il n'y a personne qui a besoin, qui est dans le besoin avec nous. C'est ça les valeurs de Noël. Voilà, ça a trotté, ça a mûri et voilà. Et Noël, les adultes, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'en passer. Les enfants, c'est un peu plus compliqué, même dans la cour de récréation. T'as fait quoi Noël? Bah, rien, c'est compliqué pour eux. Et voilà, et c'est de toute façon des enfants qui ne connaissent pas le Noël, qui n'ont jamais eu de Noël. J'aimerais renouveler ça le plus longtemps possible. Si je peux faire ça tous les Noëls, ça serait bien. J'invite aussi les autres collègues restaurateurs qui font rien à Noël ou etc. à faire la même action que moi. Comme ça, ça permettrait d'élargir le nombre de personnes dans le besoin et de pouvoir faire plaisir à tout le monde. J'essaye de trouver un menu adéquat en fonction aussi de mes possibilités financières. Je le finance moi-même, c'est pas le restaurant qui va financer. Et donc on va faire un repas et suite à ça, le Père Noël m'a dit qu'il allait venir. On n'est pas sûr, mais certainement. Et donc il va distribuer pour les enfants le maximum de jouets. Comme repas, là pour l'instant, c'est un premier jet. Ça sera des coquilles Saint-Jacques à la provençale, à l'italienne forcément. En entrée, après un pavé de saumon, donc un peu sucré-salé, voilà. Mais après, je garde la surprise quand même. On sera une trentaine, donc là, je suis en train de voir pour pousser les murs et mettre un peu plus de tables pour pouvoir faire un truc encore plus grand. Donc c'est moi, c'est la limite de place qui me bloque, mais on va faire au maximum.